bright new star that's shining. Can you see its light? And it's pointing in one direction. I just know it's right. There are 17 goals to strive for, and the road is long. But maybe this is what we were meant for. We're 7 billion strong. Can this finally be our time? Can these 17 goals all rhyme? We love the SDGs. We love the SDGs. And in poverty and hunger, living healthy lives, education and equality go side by side. Care of all the life in the ocean and land, clean energy and water, they go hand in hand. We love the SDGs. We love the SDGs. An economy that gives us what we all really need. Green cities, green products, and a lot less green. We love the C'est ça. C'est ça, c'était pour vous préparer en fait. Non, en fait, nous, on avait trouvé ça un petit peu kitsch. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très, voilà, c'est très anglo-saxon, donc voilà, mais bon. C'est... Oui, voilà. Nifla, là, voilà. Est-ce que je vous ai parlé de ça, le groupe d'intérêt? Oui. Voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que Nifla fait énormément de documents, en fait. Énormément de documents pour promouvoir justement l'agenda 2030 et ce que font les bibliothèques pour lutter contre la pauvreté, etc. Et elle a sorti justement et voilà, je suis allé trop loin évidemment. Elle a sorti un petit livret qui s'appelle Un accès à des opportunités pour tous. Comment les bibliothèques contribuent à l'agenda 2030 des Nations Unies. Donc ce livret, vous le trouvez sur le site de l'IFLA, vous pouvez le télécharger. Et ça détaille en fait chacun des 17 objectifs. Et en fait, il y a un exemple par pays. En fait, là, je vous ai pris l'exemple du Kirghizistan, qui répond à l'objectif 3, c'est-à-dire la lutte contre une meilleure santé voilà. Donc, c'était une campagne de lutte contre la tuberculose, donc à laquelle les bibliothèques ont été conviées. C'est-à-dire que le gouvernement a fait des partenariats avec des organisations de la société civile, et c'est vraiment les bibliothèques qui ont été le vecteur de cette lutte. C'est-à-dire qu'il y a eu des formations, il y a eu une sensibilisation des gens, et ça s'est rentré justement dans un des exemples qui montre que les bibliothèques font déjà quelque chose pour l'agenda 2030. Vous, par exemple, est-ce que vous avez des exemples de bibliothèques qui sont déjà impliquées dans un des 17 objectifs ? Ouais, je les reviens. Oui, donc je disais que quand on regarde bien, toute bibliothèque un tant soit peu active sur le terrain mène d'ores et déjà une action qui correspond à l'un de ces 17 objectifs. En réalité, les bibliothèques françaises luttent en faveur des objectifs du développement durable, sans le savoir. Comme M. Jourdain fait de la prose, les bibliothèques françaises sont d'ores et déjà actives dans ces différents domaines. Encore faut-il qu'elles le fassent savoir, encore faut-il qu'elles se saisissent de cette démarche pour valoriser cette action auprès des élus, auprès des décideurs locaux qui n'ont pas toujours conscience que... en matière de politique de lutte de pauvreté dans une ville, il y a le CCAS, il y a la CAF, ça, ils y pensent tout de suite. Il y a peut-être un organisme qui alloue du microcrédit, ça, ils y pensent. Mais en revanche, la bibliothèque, ils n'y pensent pas, alors qu'en réalité, elle a peut-être des actions, par exemple, en mettant en place un atelier...
pour l'accès à l'informatique chez les demandeurs d'emploi, pour rédiger un CV, l'alphabétisation, etc. etc. On est actif en la matière sans le savoir, et l'objet de notre rencontre, justement, c'est de vous expliquer, de partager avec vous cette démarche et de vous montrer aussi une petite matrice, une méthodologie qui a été mise au point et qui va être diffusée auprès des bibliothèques. Mais parfois pas assez une prise de conscience du rôle qu'on joue. Aux États-Unis, parce qu'il y a ces problèmes de santé publique, hein, et qui sont liés à la pauvreté aussi. Chacun sait que bon, l'obésité ne touche pas que les couches sociales défavorisées, mais quand même, on sait que les taux d'obésité sont beaucoup plus importants dans les familles pauvres. Donc les bibliothèques publiques se saisissent énormément de la question de la santé, de l'alimentation, ils font des programmes, et je pense que nous, on ne va pas assez loin. C'est-à-dire que nous, notre démarche, ça va être de mettre de la documentation à disposition. On va avoir tout ce qu'il faut dans la bibliothèque. Mais on n'est pas encore assez, je pense, comment dire ça, je ne sais pas si c'est offensif, mais assez proactif, quoi, pour montrer ce qu'on fait, et comme vient de le dire Soizic, de le faire savoir aux gens qui travaillent là-dessus. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être dans un centre social et qui va travailler sur ces questions de santé avec des groupes ne va pas forcément penser que la bibliothèque est un lieu relais. Donc c'est vraiment, c'est les deux. Je pense qu'on ne sait pas assez parler de ce qu'on fait, mais je pense quand même aussi qu'on n'en fait pas tout à fait assez et qu'on pourra en faire plus. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Si vous voulez, avec Patrick, nous vous proposons maintenant de vous parler de la stratégie, de la méthode qu'on voulait partager avec vous. Vous allez voir, c'est très simple. Dit comme ça, ça paraît très simple. Mais en fait, ça se révèle extrêmement concret. Ça permet de gagner du temps, parce que de quoi s'agit-il au fond? Vous voyez, une campagne en 8 étapes, c'est une matrice, un déroulé qui vous permet de ne rien oublier quand vous voulez, avec votre équipe, avec votre direction, mettre en place une campagne d'advocacy en vous situant dans le champ des objectifs du développement durable. C'est l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui, mais encore une fois, comme le disait Patrick tout à l'heure, on peut utiliser cette méthode, cette matrice, sans forcément la relier aux objectifs du développement durable. Donc une campagne en 8 étapes, identifier les enjeux, définir les buts, identifier les cibles, définir un message, fixer le calendrier, mettre en œuvre la stratégie, évaluer et partager. Déjà, ce sont des items, vous le voyez, qui vous évoquent déjà pas mal de choses, j'imagine. Rien de révolutionnaire, mais c'est l'idée de vous fournir un fil rouge qui vous permette de ne rien oublier. Première étape, identifier et analyser les enjeux. L'idée, c'est d'interroger le mot enjeu. Qu'est-ce qu'on a à gagner? Qu'est-ce qu'on a à perdre en agissant ou en n'agissant pas? Donc, identifier quel est l'enjeu qu'on veut, le problème qu'on veut résoudre, c'est ça le cœur de cette première étape. L'idée centrale est d'affirmer une volonté. Quel problème voulez-vous résoudre? La bibliothèque veut s'atteler à la résolution d'un problème, d'une difficulté, et savoir l'exprimer de façon simple. L'idée, c'est de pouvoir s'adresser à son élu en lui délivrant un message simple et percutant, parce qu'un élu, il n'a jamais le temps, il a 10 000 choses à faire. Imaginez que vous croisez quelqu'un dans la rue, hein, vous croisez un Parisien, il est toujours pressé, donc il faut aller très vite. Imaginez en 4 phrases le message que vous voulez délivrer. Nous, ce qu'on vous propose ici, c'est de partir du rôle de la bibliothèque dans la cité. Il y a beaucoup de travaux là-dessus, on a été formés à cette problématique. Il y a le site de la BPI du même nom qui s'appelle Bibliothèque dans la cité, sur le site de BPI, dans l'onglet inclusion sociale, voilà, cohésion sociale. Donc, point de départ, visualiser le problème
que vous voulez résoudre, la situation finale que vous voulez atteindre, être capable de mettre en forme cette volonté dans un message percutant, exprimé de façon simple. Ensuite, définir les buts et les objectifs. À chaque fois, vous allez voir sur les diapos qu'on vous montre ici, on a mis un encadré qui donne un exemple. Tout à l'heure, on parlait de la lutte pour l'insertion sociale, la cohésion sociale, et je vous disais, le maire de la ville, il pense au CCAS, il pense à la CAF, mais il ne pense pas à la bibliothèque. C'est précisément l'objectif ici. Imaginez le but, ce que vous voulez obtenir pour que votre vision devienne réelle, par exemple, que les décideurs locaux vous incluent dans la liste des acteurs de la ville qui sont actifs en matière de lutte contre la pauvreté. Ça, c'est le but global, si on s'attache à cet exemple, et à distinguer des objectifs. Les objectifs, c'est des changements que l'on peut évaluer. Par exemple, le responsable de la bibliothèque est, pour la première fois, invité à une réunion à la mairie, où il est invité au conseil départemental, dans une réunion interservice sur un objectif comme, par exemple, la lutte contre la pauvreté ou pour la cohésion sociale. Identifier les cibles, alors là c'est simple, hein, c'est le qui faut-il viser, donc ça inclut un travail de repérage, qui sont les adjoints au maire, qui sont les élus locaux, qui sont les acteurs sur le terrain. Alors évidemment, nous avec notre culture française très hiérarchique, on va penser au maire, au département, à la région, etc. Pensez également au secteur privé. Pensez également, par exemple, sur la pauvreté. Ben, on ne pense pas toujours qu'il y a la Fondation de France, que dans chaque département, il y a un correspondant. Donc, il y a sans doute des leviers d'action à utiliser. Identifier les périmètres d'action de chacun de ces acteurs, savoir ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas. Il y a souvent un créneau à saisir pour la bibliothèque, d'autant que la bibliothèque, souvent, elle est identifiée comme un acteur neutre. Qui n'est pas forcément compromis, entre guillemets, dans des enjeux locaux. Les bibliothécaires ne marchent sur les plates-bandes de personne, ils ont une image plutôt bonne, ce n'est pas des gens qui sont assoiffés de pouvoir. Donc il y a toujours un créneau, il y a souvent un créneau à prendre. Si vous identifiez bien les relations qui existent entre les différents acteurs, qui peuvent être des relations de confiance, qui peuvent être pas de relations du tout, parfois des relations de défiance. Là, il y a souvent une carte à jouer de la part des bibliothécaires, à condition de bien identifier les cibles vers lesquelles vous allez délivrer un message et une demande. Ça, c'est la diapo suivante. Donc, encore une distinction à faire, comme tout à l'heure, entre les buts et les objectifs. Cette fois, on fait une deuxième distinction entre le message et la demande. Ça a l'air basique quand on le dit comme ça, mais une fois dans l'action, sur le terrain, on se rend compte que ces petites distinctions sont très opératoires. Le message, c'est votre positionnement, le positionnement de la bibliothèque. Et la demande, c'est ce qu'on veut obtenir, ce qu'on dirait dans un autre langage, les livrables, c'est-à-dire un rendez-vous, un courrier, une mention sur un document. Je crois que vous avez remarqué comme moi, la plupart du temps, quand une affiche informe sur un événement ou sur une rencontre, on voit une multitude de logos en bas de l'affiche. Pourquoi cela ? Sans doute parce que les finances se raréfient, les problèmes en revanche deviennent de plus en plus complexes. Donc souvent quand on monte une action, quand on crée un événement, on a besoin de monter des partenariats, de mutualiser, de travailler en coopération. Et je crois que souvent on accueille favorablement les partenaires potentiels, y compris la bibliothèque. Et là, l'objectif serait que la bibliothèque obtienne son logo en bas de l'affiche d'un projet
alors que les participants, le public de cet événement ou de ce projet ne s'attendent pas forcément à voir la bibliothèque avoir figuré son logo aux côtés de celui d'une entreprise, d'une fondation ou d'un organisme public. Je me permets de rajouter juste oui. Une chose. Ce qui était important pour l'IFLA lors de cette formation, c'était d'insister sur la position qu'on a. C'est-à-dire que quand on va voir quelqu'un, maire ou élu, c'est qu'on leur dise vraiment, vous avez besoin de ça, nous, on peut vous offrir ça. C'est-à-dire se mettre dans une position vraiment proactive, une position où on se présente comme quelqu'un, un acteur indispensable. Voilà. Alors effectivement, ça, on ne le redira jamais assez. Et Annie avait raison tout à l'heure quand elle parlait de la déclaration de Lyon. L'idée n'est pas de se présenter comme des personnels qui réclament toujours plus de moyens, toujours plus de personnel, toujours plus d'appui. Bon, entre nous, c'est vrai, c'est notre arrière-pensée, mais il ne faut pas le dire. Mais la stratégie consiste à dire, ah voilà, le maire vient de faire une déclaration dans la presse locale, il a dit que dans son nouveau mandat, il veut mettre l'accent sur telle politique. D'accord, qu'est-ce que nous, on peut lui proposer pour l'aider à réaliser cette action? C'est ce qu'on vous propose de faire en disant être proactif, c'est non pas de partir en première analyse des besoins de la bibliothèque, mais de partir du besoin des élus locaux, du besoin des décideurs, et de leur montrer que la bibliothèque est un acteur qui a des ressources à offrir et à partager. Je prends toujours l'exemple du maire parce que c'est celui qui me vient à l'esprit, mais évidemment, on peut décliner la démarche à n'importe quel niveau de collectivité locale ou à l'intérieur d'une université quand il s'agit d'une bibliothèque universitaire, ou même, j'étais ces jours derniers à Reims parce que je siège au jury du CAPES de documentation, et ce qui ne m'a pas permis de participer à ce congrès les jours précédents, mais même pour un CDI au sein du lycée ou du collège, quand il faut convaincre le proviseur ou le principal, eh bien cette matrice qu'on vous propose et ce point de vue d'être proactif peut se révéler déterminant. On a défini le message, on a défini la demande, on fixe le calendrier, on passe du qui et du quoi au quand. L'idée, c'est de bien fignoler le déploiement de la stratégie, c'est-à-dire ne pas attendre pendant des trimestres et des trimestres pour être bien au point et n'agir que quand on est fin prêt et qu'il y a vraiment le dernier point sur les i et la dernière virgule en bas d'une page. Il ne faut pas non plus se précipiter parce que on se rend compte qu'une action au mauvais moment, c'est une mauvaise action. Donc il y a tout un art. Vous savez, c'est comme Napoléon qui préparait ses batailles. Il réfléchissait bien à l'avance et puis il disait, ils vont avancer là, je vais attaquer là, ils vont reculer ici et là, tac, je remporte la bataille. C'est un peu la même chose. Il faut essayer d'identifier les acteurs et de faire un plan de bataille en identifiant les événements, les dates à ne pas manquer. Alors ça peut être un processus électoral dans une ville, ça peut être aussi, je ne sais pas, une journée internationale de lutte contre le sida, par exemple, ou la journée du droit des femmes, par exemple, qui peuvent vous fournir un créneau dans lequel votre action sera identifiée, car rien n'est plus frustrant que de mener une action qui n'a absolument aucun écho. C'est arrivé à tout le monde, ça m'est déjà arrivé, on a mobilisé les équipes, on mène une action, et puis finalement on se rend compte que personne n'en parle. C'est quand même un peu frustrant. Et donc bien fixer le calendrier, le déploiement, sans se précipiter, peut se révéler extrêmement fructueux. Juste une petite anecdote au niveau de la commission advocacy. Ces dernières semaines, on a été extrêmement sollicités. Vous imaginez pourquoi ? C'était la période des élections et je crois que c'est la période où on a eu le plus de contacts avec les politiques. Donc, on a eu des contacts avec En Marche, avec La France Insoumise. Voilà. Donc,
Parallèlement, la commission advocacy et l'ABF ont lancé une charte de bonnes pratiques, je dirais, sur les bibliothèques. Et elle a été signée par nombre d'élus. Je pense que vous avez entendu ça, notamment à l'AG et puis au discours d'ouverture. Voilà, là, c'était vraiment, on parlait du bon moment, là, c'était vraiment le bon moment. Une fois que vous avez préparé, vous avez mené à bien la phase de préparation, vient la phase de mise en œuvre qui doit vous amener à mobiliser des ressources. Donc là, c'est une espèce, on connaît bien ça en bibliothèque, hein, c'est une espèce de récollement. Hein, il faut identifier les ressources dont on a besoin en termes d'informations, de RH, de budget, de matériel. Le plus important étant sans doute le besoin d'information, qui n'est pas à sous-estimer, sur qui décide quoi, sur votre objectif, sur votre bibliothèque. Il faut savoir, quand on arrive à coincer un élu qui ne connaît pas forcément bien, qui vient d'arriver dans une grande ville, par exemple, vous pouvez avoir un élu à la culture qui ne connaît pas bien, de pouvoir être capable de lui donner, comme ça, tout de suite, d'emblée, le chiffre statistique qui va lui sauter aux yeux et qu'il va mémoriser, et qu'il va redire le soir à la table familiale quand on va l'interroger, qu'est-ce que tu as fait dans ta journée, qu'est-ce que tu as me raconté, ou alors, si ce n'est pas le chiffre clé, un récit, une petite anecdote qui va lui parler et qu'il va retenir et qu'il sera capable lui-même de diffuser à son tour. Ce qui est aussi important de savoir, c'est un peu l'histoire locale de votre collectivité, la mémoire locale de votre collectivité. Par exemple, la bibliothèque francophone multimédia de Limoges, eh bien, il y a un petit truc à savoir à Limoges, c'est que les gens, quand ils se marient, eh bien, ils vont se faire photographier devant la bibliothèque. Et ça, c'est une anecdote, une image, un usage local qui n'existe pas partout, bien sûr, et qui est sans doute à utiliser dans une campagne d'advocacy pour montrer que la bibliothèque, elle a sa place dans la collectivité et que, par exemple, un élu, eh ben, il ne va pas négliger ce genre de détail qui peut sembler anecdotique, mais qui peut se révéler déterminant. On a peut-être loupé la diapo 6.1, non ? Non. Peut-être que je l'ai enlevé sur le PowerPoint. Ah, tu l'as enlevé, d'accord. Ensuite vient la phase d'évaluation. Alors l'IFLA ici propose trois types d'indicateurs. Celui qui est lié au changement de politique, donc là c'est ce que les décideurs ont modifié dans leur décision. L'indicateur lié au changement de pratique, là c'est cette fois-ci du côté des usagers. Et puis les changements liés aux attitudes et aux comportements, là c'est plutôt en interne ce que ça a changé dans votre équipe et en externe ce que ça a changé auprès des partenaires de la bibliothèque. Donc, encore une fois, on retrouve ici le caractère très simple et très schématique de cette méthodologie qu'on vous propose. L'idée c'est que au moment de l'évaluation, vous vous dites « Oh là là, mais comment je vais évaluer ça, moi, je ne sais pas faire. » Et voilà, clac, 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 on vous donne trois critères, deux sous-critères qui vous donnent une petite grille de lecture qui vous permettent de structurer un petit document quand vous devez rédiger un rapport d'activité, quand on vous demande, quand un journaliste local vous demande un petit article ou quand vous devez... vous exprimez sur une radio locale pendant 15 minutes et vous avez 3 minutes parce que le journaliste vous dit « Et alors, quel est le résultat de ce que vous avez mené comme campagne ?» Là, dans votre tête, vous avez vos trois critères et clac, 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 vous pouvez immédiatement restituer de façon claire les résultats de votre évaluation. Et puis enfin, partager. L'idée, c'est que comme nous, on partage aujourd'hui, à votre tour, n'hésitez pas à partager, rediffuser autour de vous, au sein de votre bibliothèque, bien sûr, au sein de votre réseau, au sein des associations professionnelles,
en montrant à chaque fois le positif, le négatif, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi, comment, de telle manière que toutes ces méthodes, tous ces outils soient réutilisés, perfectionnés, et puis enfin faire la fête, parce que il y a toujours de bonnes raisons, toutes les raisons sont bonnes à prendre pour faire la fête. Et puis c'est aussi l'idée de faire la fête, ben, ça crée du collectif, ça crée de la solidarité entre nous, et on n'a jamais trop besoin de solidarité. Voilà très rapidement ce qu'on voulait partager avec vous. Vous êtes un peu trop nombreux, on n'aura pas le temps de prendre toutes les questions. C'est ça. Quelle heure il est? Je ne sais même pas quelle heure il est. On a encore le temps. Il est moins le quart, là, non? Bon, ben, ça va, c'est bientôt fini. Donc, en fait, ce que je voulais préciser, c'est que le travail qu'on a vraiment entamé il n'y a pas très longtemps, c'était au début de l'année, c'est vraiment une collaboration entre plusieurs partenaires. Donc, le CFIBD avec Franck, la BPI avec Annie, l'ENSIB avec Raphaël Batz et l'ABF, bon, en l'occurrence, c'est moi. Et sous des formes variées dans chaque association ou institution, mais tout le monde, disons, participe à ce travail. Le plus important, comme disait Franck, enfin le plus important, un des critères très importants, c'est de rassembler une documentation et des informations. Donc, pour l'instant, on collecte des témoignages d'actions dans les bibliothèques. On est en train de créer un site web et des réseaux sociaux. On est en train de réaliser des infographies. Et surtout une brochure sur le modèle de celle de l'IFLA que je vous ai présentée tout à l'heure, mais avec uniquement des exemples français. C'est là qu'on a besoin de vous. Donc si vous allez sur le site de l'ABF, vous allez avoir un onglet Agenda 2030, et à ce moment-là, il y aura une petite enquête à remplir si vous connaissez des bibliothèques qui travaillent pour l'agenda 2030, qui font des actions dont on a parlé tout à l'heure. Et ça nous aiderait vraiment, justement, pour finalement réaliser un livret comme ça. Donc on utilise également la plateforme de la BPI, la plateforme projet de l'ENSIB, et voilà, notre collecte à nous. Donc n'hésitez pas à diffuser l'information, parce que pour l'instant, on a pas mal de réponses. Il nous manque quelques objectifs, notamment l'objectif 14 qui est sur la vie aquatique. Donc là, on n'a pas vraiment d'exemple de bibliothèque travaillant sur la vie aquatique. Donc si vous en avez, voilà, on est là. Merci à vous, et je ne sais pas si vous avez encore des questions. Ben, voilà, on est là pour vous. Oui. C'est-à-dire. Je pense qu'on est un petit peu en retard. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on a programmé cette séance. On est un petit peu en retard pour toutes les raisons qu'on a dites tout à l'heure. C'est une démarche très anglo-saxonne dans l'esprit. Et puis, par ailleurs, ces objectifs sont souvent, à tort, identifiés comme pertinents pour des pays pauvres. Alors qu'en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas du tout le cas. Patrick l'a évoqué tout à l'heure, mais les Pays-Bas, par exemple, ont commencé un travail super dans les bibliothèques pour s'emparer du sujet. Donc nous, en France, on est un petit peu en retard. En même temps, je ne suis pas trop inquiet, parce qu'on sait que les bibliothèques françaises sont très dynamiques sur le terrain, elles font plein de choses. Là, sur la vie aquatique, on n'a pas de remontée d'informations, mais je sais bien qu'il y a des bibliothèques sur les littoraux, dans les villes du littoral, qui forcément mènent des actions en la matière. C'est impossible d'imaginer le contraire. Donc on est un petit peu en retard, mais je pense qu'on va pouvoir rattraper notre retard. Un élément supplémentaire d'explication, c'est que souvent, nous, les Français, on sous-estime la qualité de notre travail. Quand on participe à des réunions internationales, on voit parfois des collègues, y compris de pays scandinaves, qui sont toujours la référence pour nous, qui font des communications sur des initiatives. Alors ils font des super PowerPoint, ils font des super communications, et puis nous on se dit, on fait aussi bien. Mais en fait, on se dit que non, ça vaut pas le coup de communiquer là-dessus. C'est pas si extraordinaire que ça. Et voilà, quand on va à l'international, on se dit, c'est dommage qu'on communique pas là-dessus. C'est
C'est vrai, c'est pas dans notre culture, en fait, de dire ce qu'on fait. Et je pense aussi qu'on n'est pas toujours... on n'est pas toujours très dynamique, nous, les Français, en termes de communication. C'est-à-dire que les Anglo-Saxons savent faire ça très bien. En revanche, nous, on ne sait pas trop bien faire, alors que ça commence à se développer. Moi, je me dis que souvent, peut-être nous, les Français, on est un peu perfectionnistes, alors on veut faire une communication extraordinaire, alors qu'en fait, souvent, ce n'est pas si compliqué que ça. Il suffit de faire un texte bien pensé sur les actions qu'on mène, qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi. Il faut avoir des bons visuels, des photos. Il faut avoir un peu de, on dit ça en anglais, storytelling, c'est un peu l'anecdote, les mariages devant la bibliothèque francophone à Limoges. Et puis tout ça forme un petit kit de communication que vous diffusez autour de vous, à des collègues, à des radios locales, aux journalistes locaux. Et ça suffit. Une bonne communication, elle repose sur ces quelques outils. Un document de présentation qu'on peut recycler, changer de format, faire plus court, faire plus long. Quelques visuels bien choisis, quelques anecdotes. Et voilà, la communication, elle est faite. Ce n'est pas si compliqué que ça. Mais c'est vrai que par rapport à ces questions de communication, je repense à l'IFLA, justement, où une des choses que j'avais souvent entendues, c'était... Ah, mais c'est les interventions des Américains, c'est pas intéressant, ils enfoncent des portes ouvertes, ils présentent des projets, nous on fait la même chose, c'est pas la peine d'en parler, on fait tous la même chose. Et il y avait effectivement vraiment cette idée que, bon bah ça va, on le fait, donc c'est pas la peine de le dire. Et oui, je crois qu'il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus pour apprendre que finalement on peut valoriser ce qu'on fait. On peut valoriser ce qu'on fait, et puis il y a aussi des domaines où on est meilleur que les autres, hein. Dans beaucoup de bibliothèques, par exemple, on travaille sur l'intergénérationnel et c'est un travail qui n'est pas forcément fait aussi bien dans beaucoup de pays, en Europe, par exemple. Donc là, moi, j'aimerais bien qu'un jour, on puisse, nous, les Français, Annie va prendre le relais. Je voulais dire, la petite enfance, par exemple, s'aperçoit à l'international, quand on parle des travail avec les jeunes enfants, en fait, les collègues, ils parlent du travail à partir de la maternelle. Et nous, en France, vraiment, on a une très, très forte action en direction des bébés, des les crèches, les PMI, etc. Enfin, pas besoin de vous faire le dessin. Ça, c'est quelque chose dont on ne sait pas parler. Parce que vraiment, ça me frappe à l'étranger quand ils parlent des actions avec les jeunes enfants. Vous savez aussi, parce que nous, on a un système de crèches assez développé par rapport à plein de pays. Là, je pense qu'on part aux pays européens. Un autre exemple que je voudrais prendre, ça m'intéresserait, là, je fais... Parmi ceux qui sont là, dans vos bibliothèques, est-ce que vous avez, par exemple, des endroits pour recycler les piles, participer au recyclage ? Bon, ben, je suis contente de voir qu'il y a des gens qui disent oui, parce que moi, là où je vais, il n'y en a pas. Et à la BPI, on est très mauvais avec ça, parce que Dieu sait qu'il y a du papier, des bouteilles plastiques et des canettes. Et on n'a même pas on a une poubelle commune, ce que je trouve vraiment... Bon, voilà, ben, après, c'est compliqué. Hein. Nous, au sein du centre Pompidou, les équipes de nettoyage, machin, ce n'est pas les nôtres. Mais ça m'avait frappé il y a... des années en Espagne, dans les bibliothèques du réseau de Barcelone, il y avait partout les poubelles de tri pour que les gens ramènent leurs piles usagées, les ci, les ça. Donc ça, c'est là du coup, on revient à ce qui est le truc le plus spontané, c'est-à-dire participer à la question de l'écologie, donc le recyclage en fait partie. Ben voilà, une bibliothèque, tout bêtement, elle peut avoir ça. Hein. C'est vraiment le plus simple à mettre en place, finalement. Aussi. C'est extrêmement simple à mettre en place. Même si nous, on n'y arrive pas, les BPI, ouais. Vous ne découragez pas. C'est bien de vouloir recycler les piles, mais il faut la gestion par derrière. Qui va récupérer les piles ? Est-ce qu'on en fait ? J'ai travaillé dans une bibliothèque où, par exemple, les bouchons en plastique étaient récupérés. Et j'ai creusé un peu le problème. Et en fait, les bouchons étaient déposés par les usagers n'importe où dans la bibliothèque, entassés dans des sacs plastiques sous les bureaux. Ça traînait depuis des mois et des mois. C'était pas concentré. J'ai cru comprendre ensuite que c'était emmené quelque part par la logistique dans un dépôt. Et j'ai finalement su quelle était l'association qui était par derrière. Je me suis renseignée sur l'association. À aucun moment, cette association ne diffuse sur le net ses bilans annuels. Donc, en fait, elle revendait les bouchons. Mais pour en faire quoi, je ne sais pas. Et là, je trouve quand même qu'il y a un problème et qu'il faut aussi qu'on participe à
des associations dans ce sens-là, c'est très bien, mais il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi avec quelle association si on ne sait pas qui est derrière et qu'est-ce qu'on fait de l'argent utilisé. Non, vous avez tout à fait raison de rappeler... Objectif, cible, etc. Vous avez tout à fait raison de rappeler ce type de précaution qui semble évident, mais c'est vrai que parfois... dans l'action, on ne pousse pas les vérifications jusqu'au bout. Alors, ça ne doit pas être, ça doit pas être un argument pour ne rien faire. Ce n'est pas du tout ce que vous dites, bien sûr. Hein. Mais c'est aussi l'occasion de nouer des partenariats, mais à condition de mettre en place un vrai partenariat pour savoir avec qui on travaille, avec quel objectif, et en bout de chaîne, ce que ça donne concrètement. Dans mon exemple à Barcelone, c'était organisé par la collectivité. Hein. Je veux dire, donc les piles, après, elles étaient, je ne sais pas comment ça se passait, mais elles étaient récupérées par la collectivité, etc. C'est, évidemment, si c'est pour nous, on a, à un moment à la BPI, on a des poubelles pour mettre le papier, nous, dans nos bureaux. Hein. Et on s'est quand même assuré, à un moment, on avait un doute que les gens qui faisaient le ménage le matin ne remettaient pas ce qu'on avait trié dans le papier dans les poubelles générales. Donc, exemple. Oui, pour finir sur cet exemple de la récupération des piles, dans l'établissement où je travaille, à la BNF à Paris, on a des espèces de récupérateurs qui ressemblent à d'immenses bornes, enfin de grandes bornes transparentes, avec le logo de la société qui s'occupe de ça. Alors moi, je ne suis pas du tout cette affaire, c'est pas un dossier qui m'incombe, mais il y a visiblement un interlocuteur, une société qui a pignon sur rue. Et c'est pas un méchant carton découpé par l'un d'entre nous pour récupérer ça un peu sauvagement. Ça semble être assez encadré. Et vous avez raison, il faut. Je me souviens, il y a très très longtemps, j'étais enfant. J'avais vu un reportage télévisé. C'était à l'époque de Noël et c'était l'abbé Pierre. Et l'abbé Pierre faisait un appel à la solidarité. Et à la fin de son appel, il avait dit : mais nous n'avons pas besoin d'amateurs. Ça m'avait beaucoup frappé. Nous n'avons pas besoin d'amateurs. Nous devons faire du bon travail. Et c'est un peu ce qu'il était en train de dire. C'est-à-dire que la bonne volonté, oui, mais assortie au professionnalisme, à des critères précis. On se met d'accord sur des étapes claires. On ne se contente pas de grandes envolées lyriques et de bonnes intentions. Il faut mettre du concret derrière et de la rigueur. J'en profite pour dire qu'on a fait tourner une feuille de présence. Merci beaucoup d'avoir porté vos informations personnelles sur cette feuille. Si vous le souhaitez, on va partager le PowerPoint avec vous. Hein, on va vous envoyer ça. Est-ce qu'il sera aussi sur le site du Congrès, dans les actes du Congrès ? Parce que c'est... Étant co-auteur, il faut que je demande à Raphaël. Voilà, ouais. Donc, mais oui, je pense qu'il n'y a pas de souci. Oui. On va voir aussi si on peut le mettre sur le site du CFIBD ou faire un lien. Et on fera un lien depuis le site de la BPI. Voilà, c'est ça. Donc pour que l'information circule, parce qu'effectivement, il faut qu'on rattrape un peu notre retard français et qu'on fasse circuler l'information. Je me souviens tout à l'heure qu'une collègue demandait ce qu'était le Trend Report. Alors je vais juste prendre 15 secondes pour dire de quoi il s'agit. L'IFLA a mis en place un outil qui est sur son site, qui s'appelle le Trend Report, qui est traduit en français par rapport de tendance. Il s'agit d'une base de données qui contient en son sein des références de multiples études et de multiples rapports sur les évolutions de la société. Des études qui sont faites par des universitaires, par des think tanks, sur la numérisation de la société, sur le fait que la société doit devenir une économie de la connaissance, sur les grandes tendances qui traversent l'accès au savoir, le fait qu'il y a à la fois une tendance à une marchandisation de la culture, mais en même temps qu'il y a un essor de toutes les ressources libres. Donc l'IFLA a recensé des centaines, presque des milliers, je n'ai pas le chiffre exact, d'études de mémoires, de thèses, de rapports officiels sur ces sujets et les a rassemblés dans une base de données qui est structurée autour d'une 5 ou 6 grands enjeux.
Et pourquoi c'est intéressant pour nous? Parce que dans notre travail de conviction auprès des décideurs, on a souvent besoin d'arguments. Quand on a besoin de rédiger un rapport d'activité, on a aussi parfois d'argumentaires. Quand on monte un dossier de demande de subvention pour un équipement, pour un financement quelconque, on a besoin souvent de mettre un peu de chair, un peu de théorie, pas seulement expliquer qu'on veut, je sais pas moi, acheter des ordinateurs supplémentaires, etc., etc. Il faut un peu mettre d'argumentaire. Et donc cette base de données qui est en accès sur ifla.org est une mine de ressources et d'informations et nous évite d'aller à la pêche sur Google pendant des heures et des heures pour avoir une moisson relativement faible. Cette base de connaissances permet de gagner du temps pour identifier ces ressources. Voilà pour répondre à votre question. J'allais proposer à Patrick qu'on s'occupe de l'article 14. Alors. Ouais, je pense qu'on est dans quel sens? Parce qu'on nage. On nage. Je vous invite chez moi. Non, mais on a quand même un service du littoral, on a une volonté politique dans notre collectivité de la préservation du littoral. Chez nous, à Martigues, je n'ai pas souvenir d'action qu'on a menée justement sur le littoral ou choses comme ça. Mais encore une fois, c'est un truc qui était tellement naturel qu'on ne s'en est pas rendu compte et qu'on n'a pas mis en avant. Pourtant, c'est vrai que les conditions font qu'on est au milieu parce qu'on travaille avec le service du littoral. Ouais. On a travaillé aussi avec la SNCF. Non, c'est une association locale, tu sais, avec Francisca. Ah, je m'en rappelle plus. Bon, enfin, voilà. Donc, on a une réserve à Carilrouet, une réserve de la Côte Bleue à Carilrouet, quelque chose qui pourrait être fait si ça permet de participer à l'article 14. Bonne idée. Il y a aussi, à l'échelon local, beaucoup de travail qui est fait dans les CDI, des collèges et des lycées, autour de l'éducation à la santé, l'éducation au développement durable, l'éducation à la citoyenneté, ce qu'on appelle aussi dans l'éducation nationale le parcours citoyen, qui un autre nom pour l'orientation. Et en fait, autour de ces quatre parcours qui sont transdisciplinaires et qui s'étalent sur plusieurs cycles, à travers ces parcours, on a beaucoup d'enseignants qui sont sensibilisés à ces sujets. Il y a beaucoup d'enfants qui sont sensibilisés à ce sujet, beaucoup d'actions qui sont menées, et les familles sont sensibilisées à ces sujets. Et donc vous voyez bien qu'on voit bien, notamment dans les bibliothèques municipales, qui est-ce qu'on reçoit? On reçoit beaucoup de familles, on reçoit beaucoup d'enfants, on reçoit les parents qui amènent les enfants. Donc je suis sûr qu'autour de ces différentes thématiques, qui croisent aussi plusieurs objectifs qu'on vient de voir, il y a une quantité d'actions... Voilà, comme Monsieur Jourdain, qu'on mène sans forcément se dire qu'on peut les rattacher à un rôle clé de la bibliothèque et faire le lien avec les politiques locales. Et moi, je voudrais insister sur le storytelling, là, parce que ça peut paraître un peu anecdotique, mais ça marche quand même vraiment bien. C'est-à-dire que nous, on est habitués, moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'évaluation, donc on met des batteries de statistiques, des tableaux, des machins, tout ça. Et je pense au travail qui est fait, alors c'est surtout en anglais, mais je pense que c'est intéressant, sur le site qui s'appelle Public Libraries 2020, ils ont réalisé une série de films, donc il y en a un qui me revient en tête, alors je crois que c'est Pologne, enfin c'est un pays ex-Europe de l'Est, et où ils expliquent tout simplement qu'une dame qui est une agricultrice ne savait pas conduire, donc c'était compliqué pour elle pour développer son activité. À la bibliothèque, elle est allée sur l'ordinateur préparer son permis de conduire. Évidemment, elle ne l'a pas passé à la bibliothèque. Elle va pas jusqu'à, ça viendra, voilà, ça viendra. Ça viendra peut-être. Et elle a eu son permis de conduire, et grâce à ça, elle a développé son activité économique. Alors ça peut paraître un peu effectivement... voilà, très comme font les Américains, on est dans le positif, mais c'est super efficace, quoi. Vous avez sûrement des exemples comme ça dans vos bibliothèques. Et quand vous faites un petit rapport, il y a un encadré qui raconte que Monsieur Machin, grâce à la bibliothèque, voilà.
Je recite toujours aussi l'enquête européenne qui avait été faite il y a 3-4 ans. 4 millions d'Européens dans l'année de référence qui était l'année 2012, 4 millions d'Européens avaient accédé pour la première fois de leur vie à Internet dans une bibliothèque. Donc ça, c'est des chiffres qui frappent. Quoi. Je veux dire, bon, c'est important. Je pense qu'il faut vraiment qu'on apprenne à faire ça, quoi, à mettre en valeur ce qu'on fait, à illustrer. Et pour un élu, il y a aussi ce qui a été fait dans le Val d'Oise, là, la bibliothèque. La bibliothèque vaut-elle le coup ? La première étude d'impact des bibliothèques, alors elle a ses défauts. Les collègues, ils ont fait un super boulot, ils ont essuyé les plâtres, parce qu'il n'y a rien en France là-dessus. On ne sait pas faire. Hein. On sait dire, il y a tant de gens qui viennent dans une bibliothèque, mais on ne sait pas dire, voilà quel impact ça a eu sur leur vie. On n'a pas... Donc, c'est des... On ne sait pas, il faut qu'on mette en place des indicateurs pour le faire. Hein. Et donc, là, il n'y a pas d'exemple qui me revienne en tête, parce que j'ai plus travaillé sur cette fameuse enquête européenne. Mais c'était l'idée, quoi. Comment le fait de venir à la bibliothèque... alors, il y a un truc qui est rigolo, parce que c'est un peu... Je ne sais plus comment la question est posée, mais en gros, bah, ouais, aller à la bibliothèque, ça nous procure du bien-être. Ça nous rend heureux. Bah oui, bah, c'est bien, ça. Et donc, je trouve que, voilà, c'est des choses comme ça qu'on ne sait vraiment pas assez faire. On est trop, en plus, nous, sur les statistiques, les rapports, les machins. Il faut parler aux élus, il faut parler aux gens aussi. On est trop cartésien, on est trop français, et on ne veut pas... alors qu'il faut, faut faire ce qu'on fait tout le temps, c'est-à-dire mettre de l'humain, mettre des visages, raconter des histoires de gens qui découvrent, progressent grâce aux bibliothèques. Et l'exemple choisi par Annie, moi, je le trouve tout à fait parlant, hein, l'histoire de cette agricultrice qui réussit à passer son permis grâce à l'aide de la bibliothèque, parce qu'aujourd'hui, le thème du congrès, c'est bibliothèque, inégalité territoriale et égalité des chances. Donc, on est complètement à fond dans le sujet. Une dernière chose, Annie, elle a parlé de Public Libraries 2020, et en fait, ils ont sorti des petits des études comme ça par pays. Donc tous les pays européens sont voilà, recensés, et en fait il y a des chiffres intéressants à ressortir. Ça, c'est vraiment de l'advocacy, c'est des documents d'advocacy, ça. On peut s'en servir. Et sur le fait que voilà, un certain pourcentage, je ne me rappelle plus combien, de personnes ont découvert Internet pour la première fois en bibliothèque, voilà, ça c'est des chiffres qui parlent, quoi. Voilà. C'est des études qu'a fait l'association Public Library. Qu'on a donné, voilà, mais eux, ils ont recensé tous les pays d'Europe, en fait. On peut voir ça sur leur site. Je pense que beaucoup de ces chiffres viennent de l'enquête européenne que j'évoque, qui avait été une enquête menée en 2012 sur 17 pays européens en même temps, où il y avait eu effectivement des questions comme ça, avec des sondages faits en nous, en France, c'était TNS Sofres. Donc il y a eu des terrains d'études, et puis il y a eu des enquêtes nationales. C'est comme ça qu'on sort des pourcentages que vous n'avez pas forcément vus jusqu'à présent. Alors, en partie, et en partie par sondage. Par exemple, il faudrait que j'en reprenne un, mais 800 000 adultes utilisent un ordinateur dans une bibliothèque par an. Ça, c'était une question qui était posée dans cette enquête de 2012, par téléphone, hein, et auprès des usagers. Donc, on a eu la chance, en 2012, ça c'est rare, hein, et donc maintenant, elle date, il faudrait la mettre à jour, mais c'était la Fondation Gates qui avait financé une étude dans 17 pays européens. Ça, c'était jamais vu. Alors, il y a eu une partie, comment on appelle ça, de la documentation, c'est-à-dire qu'ils sont allés regarder les statistiques du ministère de la Culture, hein, les 16 100 bibliothèques, bien sûr, ça sort de là. Les 800 000 personnes qu'utilisent par an un ordinateur dans une bibliothèque, ça, c'est par sondage. Mais ça, c'est des choses qu'on ne fait pas, par exemple. On ne tient pas de compte, nous. J'avais vu une fois à l'IFLA un truc super intéressant, c'était une bibliothèque pendant une semaine, ils se faisaient une grille d'analyse, et à tour de rôle, ils tournaient dans la bibliothèque, ils observaient ce que les gens faisaient. Du coup, voilà, on ne peut pas faire ça tout au long de l'année. On ne va pas tous les jours noter ce que tout le monde vient faire dans la bibliothèque. On va passer plus de temps à faire des statistiques voilà. Qu'à faire des animations. Une réunion, un atelier où la responsable de la bibliothèque de Sciences Po nous a dit qu'il faisait ça deux fois par an. Et donc, qu'est-ce que les gens, les étudiants sur leur table, qu'est-ce qu'ils font, les boissons qu'ils ont, enfin même ça va jusque-là. Donc, première chose à faire, c'est quand on peut, c'est compter ses visiteurs, parce que nous, en France, on parle toujours des inscrits. Vous allez à l'étranger, donc ce fameux voyage d'études à Barcelone qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, on visite des bibliothèques, ils ne nous parlaient jamais de leurs inscrits. Par contre, ils nous parlaient de leurs visiteurs. Et évidemment, c'est autre chose, hein, parce qu'il y a à l'époque, il y a longtemps, je ne sais plus qui c'était le directeur de Marseille, parce que ça a pas mal bougé à Marseille, mais
c'était pas Gilles, non, c'était avant. Et il avait sorti, on a plus de visites dans les réseaux des bibliothèques de Marseille qu'il n'y a de gens allés au stade Vélodrome. Voilà, je pense qu'il n'y a pas un élu qui pense ça. Parce que quand il voit le stade Vélodrome avec un match, il y a toujours un monde fou. Et bien, sur l'année, il y avait plus de gens allés dans le réseau des bibliothèques qu'allés au stade Vélodrome, plus de visites. Mais nous, on ne sait pas faire, on compte nos inscrits. Et je vous assure, par exemple, moi, les collègues allemands, là, il y a un truc qui me frappe, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'inscrits dans leur bibliothèque. Nous, on n'est toujours pas, on n'est pas contents, ils sont pires que nous. Donc, on a trouvé pire que nous, c'est bien. Mais par contre, ils comptent leurs visites, et ils ont beaucoup de visites, et ils comptent leurs visites virtuelles maintenant. Je veux dire, voilà. Donc, nous, à la BPI, puisqu'on n'a pas d'inscrits, on ne peut pas dire. Par contre, quand on dit qu'on a 1 200 000 visites par an, bon, c'est la BPI, hein, mais par exemple, je crois que c'est le réseau de Strasbourg qui a des visites, un nombre de visites énorme à la médiathèque André Malraux. Donc, et ça, dans les grandes bibliothèques, vous pouvez le faire facilement. Alors, on peut toujours nous dire que, bien sûr, la personne qui sort fumée, elle va être comptée deux fois. Enfin, bon, les statistiques, vous savez bien, le dicton, c'est les statistiques, c'est des mensonges, encore des mensonges et toujours plus de mensonges. Parce qu'on leur fait dire ce qu'on veut. Mais voilà, il y a une marge d'erreur, mais c'est quand même un signe. Donc, comptons ça. Et de temps en temps, moi, je trouve que l'idée d'observer ce qu'on fait, parce que voilà, là, c'est par sondage, mais si vous faites une fois, deux fois par an une semaine d'observation, vous allez pouvoir dire, oui, les gens, voilà ce qu'ils viennent faire à la bibliothèque. Hein. Et la bibliothèque, ce n'est pas seulement pour lire, pour emprunter des bouquins. Les gens viennent faire plein de choses à la bibliothèque. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques, des questions, des protestations? Oui, bonjour. Moi, la question que je me pose, c'est de savoir, est-ce qu'on référence simplement les expériences des bibliothèques ou, comme tu l'as dit plus avant, les centres de documentation, CDI, etc. Parce que via l'IABD, on pourrait peut-être faire un appel à toutes nos associations pour faire remonter toutes les expériences. Ouais. Bien volontiers, oui. Ouais, oui. C'est toutes les bibliothèques. Voilà. Et oui, c'est pour ça que je parlais délibérément de bibliothèque publique, bibliothèque universitaire, bibliothèque scolaire, même si je n'ai pas égrené toute la liste, évidemment, et même si j'ai plus souvent utilisé des exemples de bibliothèques publiques, municipales ou départementales, c'est l'ensemble du secteur des bibliothèques et de la documentation qui est concerné. Non, je voulais juste dire pour finir que le développement durable est à l'ABF, puisque sur le stand des animations, nous recyclons des vieux tampons, pilons en bois pour faire de l'estampillage créatif. Donc voilà, c'est une forme de recyclage. Moi, j'ai deux petites questions. Premièrement, dans les associations qu'ils ont autour du projet, où est la DBDP ? Pour aussi qu'on puisse transmettre par l'association professionnelle et informer les BDP qu'elles fassent le relais dans leur bibliothèque. Et deuxième chose plus concrète, je pense que aussi pour défendre ça, il y a de l'entrisme à faire, nous. C'est-à-dire savoir quels sont les dispositifs qu'il y a où on n'est pas forcément invité et on va se mettre. C'est-à-dire concrètement, on va faire un peu de storytelling, d'anecdotes. Aujourd'hui, nous, bibliothèque départementale, on a intégré un projet européen Terreg Érudite sur la co-création de services numériques innovants. On était complètement oubliés, on ne parlait pas de culture. Moi, j'ai su qu'il y avait ça, j'y suis rentré, et maintenant, on est au Gobile, on a une thématique culturelle. Super, ça, c'est aussi très important. Dans sa collectivité, vraiment être à l'affût de tout ce qui se passe et se dire, là, il faut que je pointe le bout de mon nez, alors qu'on n'a pas pensé à moi, en tant que bibliothèque, ça, je suis complètement d'accord. Et sur la DBDP, donc le travail... Patrick a dit que le travail allait être interassociatif et interinstitutionnel. Donc pour l'instant, c'est la commission advocacy de l'ABF qui le porte, le CFIBD aussi. Donc la BPI et l'ENSIB s'impliquent. J'en profite, je fais un peu de pub. Et puis bon, en même temps, je vous invite à boire un verre tout à l'heure sur le stand de la BPI. Il y aura un coup à boire et on peut vous montrer le site la partie du site qui s'appelle Bibliothèque dans la cité. Voilà, mais il est effectivement prévu qu'on se tourne vers les associations. Et Franck, OCA du CFIBD, mardi, je pense qu'il faut qu'on aille, puisqu'il va y avoir des formations de proposer par le collectif, je pense que, par exemple, il faut qu'on négocie un petit temps de parole à la DBDP pour en parler, à la DBGV, enfin, dans nos nombreuses associations, qu'on fasse passer, bien sûr, le message par l'IABD. Il faut vraiment qu'on essaye de mobiliser tout le monde. Qu'on touche les bibliothèques par tous les côtés, c'est-à-dire à la fois descendant par la bibliothèque départementale, par leur réseau professionnel. L'idéal, c'est de disséminer, en fait. Voilà.
vous êtes cerné. Il fallait bien commencer par quelque part, et du coup, c'est vrai que le travail interassociatif, c'est très difficile. C'est super enrichissant, mais c'est très difficile, parce qu'il faut mobiliser tout le monde et que tout le monde soit équitablement représenté. Surtout que, vous le savez, hein, le travail associatif et interassociatif, ben, c'est le soir, après la journée de travail, c'est le week-end. Et on a 1 million de choses à faire parce qu'on ne renouvelle pas les collègues dans les services, parce qu'on demande toujours plus. À bientôt. Mais bon, après, c'est ce qui fait l'intérêt de ce travail. Et ça me permet de dire aussi qu'on a besoin de toutes les bonnes volontés. Il n'y a pas de petites actions, hein, il n'y a pas de grandes actions. Tout est bon à prendre. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers les associations que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler. On vous accueillera toujours les bras ouverts.